On va vlogger aujourd'hui. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Premier vlog officiel en France. Je vous avoue que j'ai juste pas eu le temps et je n'avais pas trop... J'avais pas envie de filmer ni quoi que ce soit. Ça va faire déjà un peu plus d'une semaine qu'on est ici. Ça passe super vite. Ça passe super vite. Donc là, il est exactement 9h du matin et dans 15 minutes, j'ai un call qui commence avec une collègue... qui est à Singapour. Donc du coup là je me suis préparée vite fait, j'ai mon café qui est là, Haroun il est en bas, les filles sont chez ma soeur, elles ont passé la nuit chez ma soeur. Donc du coup voilà, un petit call rapide et ensuite y a plein de choses qui vont se passer. J'ai ma tante d'Italie en fait qui est passée, qui est ici, donc du coup elle va passer tout à l'heure. J'ai ma tante, ma cousine d'Hollande qui vient ce soir nous rendre visite, donc je pense qu'on va aller du côté de chez mon frère. Bref, je vous embarque avec moi. Voilà, donc déjà, hop, là je me... Ouh là là, je vais aller chercher un autre café parce que celui-ci il est froid, ça me fait la peine. Je vais le réchauffer et écoutez, on va commencer sans plus tarder cette journée qui s'annonce nuageuse. Mais il fait bon, j'ai ouvert les fenêtres, les fenêtres sont grandes ouvertes. Ce soir j'ai passé commande sur Beauté Privée. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris quelques vernis pour les filles de la marque Essie. J'ai pris quoi? Essie, Bella Pierre, j'ai pris des pinceaux, j'ai pris des culottes menstruelles. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? C'est tout, et des bijoux, quelques bijoux. Donc si vous connaissez pas Beauté Privée, mais je pense que vous connaissez, allez faire un tour, franchement il y a plein de trucs sympas, moi j'adore piocher, j'ai plein de produits d'ailleurs sous la main qui viennent de chez eux. Vous voyez, la dernière fois j'avais passé commande, c'est la marque Zeina, c'est une marque bio qui propose plein de produits bio, et c'est beaucoup de produits orientaux. Vous voyez, vous allez trouver de l'eau de rose, pardon, vous allez trouver du rasoul, ce genre des gants, du savon noir. Vous voyez les gants là pour bien gommer, mais c'est vraiment, j'aime bien acheter chez Beauté Privée parce qu'il y a plein de marques sympas et je découvre toujours plein de marques, et voilà, il y a vraiment une bonne sélection. Et si c'est la première fois que vous commandez, vous avez un code promo qui est en barre d'informations. Normalement, il est en barre d'informations. Bref, vous passez commande une première fois, ensuite vous avez un code promo et vous pouvez parrainer d'autres personnes. Voilà. Bon, je pense qu'on va y aller, on va commencer. On se retrouve tout à l'heure, ok? C'est du beurre de karité, hein, ce que j'ai appliqué sur mes lèvres. Je vais vous montrer mon outfit of the day. Hein, et... Ce pull ici que vous voyez, il vient de chez Modanisa. Il est super beau, j'aime trop la couleur. Pantalon, je squatte ce pantalon, c'est un pantalon en fait de chez Love Bonito et il est super chaud, super à l'aise, je le squatte actuellement. Mes chaussures viennent de chez Kiabi, je pense que je les ai prises chez Kiabi, mes pantoufles, il me semble. Oui, je pense que ça vient de chez Kiabi. Et mon turban, à chaque fois on me demande ça ici, c'est un foulard en fait, c'est un foulard, je vous ai fait un post sur Instagram, c'est un foulard triangle que je noue, voilà, et j'en fais un turban en fait. Voilà pour mon outfit of the day. Ok, voilà, je suis partie me chercher une banane, j'ai réchauffé mon café, je vais me préparer. J'ai un peu de temps, donc ça va, et je vais en profiter du coup pour vous faire quelques stories, parce que franchement, j'ai déserté là ces derniers temps, j'ai déserté, et franchement ça fait du bien, moi ça fait du bien franchement de prendre un break et de, vous voyez, mon portable ces derniers jours est traîné quoi. J'étais vraiment à peine calculée. Bref, j'étais excitée quand même, hein, parce que on avait prévu avec une bonne copine de se voir, et avec les grèves, c'est plus possible. La semaine prochaine, je vais voir Ramata. Est-ce que vous vous souvenez de Ramata? Je vous en avais parlé, c'est une très bonne copine et on se voit à chaque fois. Elle vient toujours à la maison chez ma mère ou chez ma soeur me rendre visite. Mais cette fois-ci, je lui ai dit, écoute, non, non, tu ramènes pas tes enfants, je ne prends pas mes enfants, on se voit juste toi et moi. Voilà, donc on va se voir sur l'île. Voilà, parce qu'elle a 4 enfants, elle aussi. Donc, enfin, moi, j'en ai pas 4, j'en ai 3. Mais j'avais vraiment envie de... Au départ, on s'était dit, on se fait un petit week-end. On verra, peut-être qu'on se fera un petit truc si on a le temps, mais elle bosse. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué et tout. En plus, elle est sur Paris. Donc du coup voilà, écoutez, je vais me connecter et je vais vous faire quelques stories, ok? Si vous ne me suivez pas, with Hasna B. Je vais tester mon micro d'abord. Hello, recoucou. Donc voilà, on a passé une heure. En fait, je vous explique en gros. Avec le Covid et tout ça, au bureau, et
à Singapour, étant donné qu'on est tous sur des horaires différents, c'est un peu... en fait, l'équipe, on se voit en général pour des meetings et on ne se connaît pas vraiment. Donc du coup, notre boss nous a demandé de faire des review chat. Donc on doit tous avoir un entretien pour parler de nous et pour se connaître un peu plus. Et franchement, c'est une superbe initiative parce que, par exemple, pour moi, je travaille que 2 à 3 jours par semaine pour le groupe, et donc quand je vais au bureau, en général c'est ta 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 ta, voilà, je fais tout ce que je dois faire, et donc du coup j'ai pas forcément le temps en fait de taper discute, de connaître un peu plus les collègues, et c'est pareil pour eux. Donc du coup c'est vraiment intéressant d'avoir ces moments où on peut vraiment parler d'autre chose que le boulot. Voilà, super intéressant. Donc du coup, voilà, franchement, je suis super contente, surtout que la personne avec qui j'avais ici l'entretien, on bosse ensemble, mais franchement, on n'a jamais eu l'occasion de vraiment parler et de faire un peu plus ample connaissance, tout simplement. Voilà, bon, Il est quelle heure? Il est exactement 10h. Les filles ont terminé normalement leur cours sur Zoom. Donc, je vais prendre mon manteau, mettre mes chaussures et on va aller du côté de chez ma sœur. Il y a ma tante qui est en bas. J'ai entendu qu'elle est arrivée. Je pense qu'elle est en train de préparer quelque chose à manger. Bon, j'ai oublié de continuer à vlogger. On vient de terminer de bosser. J'ai travaillé une petite heure les mathématiques avec les filles. Et donc là, on va... faire un tour à Kiabi, à Action, j'ai besoin de crayons de couleur, les filles, je me suis rendu compte tout simplement qu'il leur manquait quand même pas mal de soupules, donc on va faire quelques courses. Et voilà, on y va. Je suis habillée tout en noir, je vous montre ma tenue à l'extérieur, on y va. Coucou. Le classique des Black Eyed Peas. Alors, j'espère que vous allez bien. Sinon, on y va pour les infos musicales inédites. On a déposé les enfants, ça aurait été de la folie de venir avec eux faire les magasins. Rappelle des souvenirs. Ça fait 2 ans que t'as pas conduit, ouais. Ça fait quoi de reconduire? Rien, on perd pas. Directement, tu as repris, ouais. Le. C'est vrai? Ouais, c'est comme le vélo. Ça ne s'oublie pas. Alors, donc on est. Là, j'ai plus l'habitude du chewing-gum. Hein. Singapour, il n'y a pas de chewing-gum. Ça n'existe pas. C'est interdit. Mais je comprends pourquoi, parce qu'il y en a partout par terre, en fait. Quand vous regardez par terre, il y en a partout. Et les filles? C'est la première chose qu'elles ont voulu acheter, du chewing-gum. Si vous leur demandez qu'est-ce que vous voulez, elles vont vous dire du chewing-gum. Bref, voilà, donc on va à Kiabi acheter quelques vêtements puisqu'en fait il fait quand même froid et il manque des soupules, des pulls, etc. Donc du coup je trouve que Kiabi c'est sympa, ils ont beaucoup de choix et c'est très abordable niveau prix. Ensuite on va aller à Auchan, on a quelques petites choses à acheter. Et ensuite, on va rentrer. Ce soir, c'est couscous. Habituellement, le vendredi, ils font le couscous pour le midi. Et en général, ils le mangent après la prière du Jumu'ah. Mais comme on a eu la visite surprise de ma cousine de Lande qui est venue me voir. Et en fait, au final, on va sûrement y aller là-bas. Parce qu'à la base, on ne devait pas y aller. Du coup, en fait, on va faire un couscous ce soir tous ensemble. Ça va être la foire avec les enfants. Ça va être la foire. Il y a des Italiens aussi, ils sont là. Ça va être la foire. Voilà. J'espère que personne a le Covid, sinon ça va être. Voilà, donc direction Auchan. On va fluncher. Ah, t'es parti au flunch, Ahmed? J'ai juste pris un café. Ouais, ils ont pas voulu te laisser rentrer. Non, j'étais avec ma mère, elle avait pas pris son passe. Ouais. C'est sérieux, hein, ici, ils contrôlent aussi. Ok, il y a des filles qui me disaient. Ce serait bien que tu fasses une vidéo avec, tu sais, un peu les choses qui vous... Tu sais, en fait, parce que j'avais fait des stories en disant « Purée, comment ça fait du bien de marcher pendant 20 minutes sans suer ?» Tu vois, et il y en a plein, elles étaient mortes de rire. Elles me disaient « Mais nous, en fait, on ne fait même plus attention tellement c'est quelque chose de normal, tu vois ?» Elles me disaient « Ce serait bien de faire une vidéo avec les choses un peu qui vous ont choqué, qui vous ont manqué, choqué. » C'est que ça craint pas de laisser ça? Non. Ok, bon, on y va. Direction Auchan. Comme dirait mon oncle, Ouchen, ça veut dire lion. Allez. Bon, bienvenue à Kiabi. Alors, je cherche des pulls, des soupules. Des pulls, des soupules, des leggings. Et c'est tout, je pense que ça sera tout. Des chaussettes. On va faire le tour et je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai choisi, ok? C'est comment, Ouchen?
Nos supermarchés, ils sont beaux, nos rayons, ils sont beaux, hein, franchement. Au choix, en France. En comparaison, on comparait avec Singapour, franchement, c'est. On était au rayon poissonnerie, le fromage, tout est bien présenté, vous avez envie de tout acheter, mais c'est trop grand pour moi. Parce qu'en fait, on a un tout petit supermarché pas loin de la maison, donc du coup, c'est vrai que Auchan, c'est la deuxième fois là qu'on vient. Et ouais, non, franchement, on va vraiment à l'essentiel. Il y a trop de choix. C'est trop de choix. Trop de choix. Le yaourt à Singapour, c'est genre, vous avez 4-5 yaourts ici, c'est des rayons et des rayons. Il fait nuit super vite, hein. Les journées, j'ai l'impression qu'elles sont hyper courtes. Ça passe trop vite. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que les soirées, elles sont longues. Elles sont longues. Elles sont vraiment longues, mais ça passe trop, trop vite. Voilà. C'est les vacances. Curé, quoi. Enfin. Par contre, bon, on va bosser avec les filles parce que. Bon, c'est encore une autre histoire. Je vous ferai un autre vlog. Mais. Voilà, on va bosser, mais on va bosser franchement, allez, genre 2 heures peut-être par jour, c'est amplement suffisant. Voilà, bah écoutez, Kiabi c'était bien, on a acheté quelques trucs. Auchan, on a fait 20 minutes de queue pour acheter du poisson. Il y avait du monde, franchement, il y avait du monde et on sent que c'est Noël, les gens sont. Ouais, les gens ils achètent, hein. Ils achètent énormément, quoi. Voilà, et il y a du monde. Et là encore, ça va en partant. Là, le parking il est plein. Voilà, ben écoutez, on rentre. On va rentrer, il fait déjà nuit. On va retrouver les enfants, on va faire un goûter. On va préparer un café. Moi, il me faut mon café, il est 17h. C'est l'heure du goûter, l'heure du café. Et voilà, ben écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Bye. Recoucou, on est de nouveau en voiture. Ah, ça fait du bien d'avoir une voiture, Ahmed. Ça fait du bien d'avoir une voiture. Ouais, tu peux te déplacer quand tu veux. Exactement. Parce que oui, à Singapour, on vit sans voiture. Et c'est vrai que vous avez été nombreuses à me poser la question plusieurs fois, mais pourquoi vous n'avez pas de voiture à Singapour? Pourquoi? Parce que c'est trop cher. Ah, Maria m'a répondu. Parce que c'est trop cher. Mais attendez, trop cher, ça peut, c'est relatif. C'est trop cher. Ahmed, explique rapidement, s'il te plaît. Non, c'est trop cher. Il faut changer la voiture tous les 10 ans. Il faut obtenir un papier pour pouvoir circuler. Après, il faut payer que des péages. Dès que vous prenez des voies rapides, il faut payer les péages. Il faut payer les parkings. C'est un gouffre. C'est un gouffre en sachant que Singapour, ça reste une île. Ouais, c'est petit. Sachant que tous les transports en commun sont bien développés, donc on n'a pas besoin de voiture. Franchement, on n'a pas. Alors, c'est comment la France? Trop bien. C'est vrai? Oui. Vous êtes contente? On a McDonald's. On est parti. À Singapour, il y avait moins de glace. En France, il y avait 100 000 glaces. Ça n'avait pas quoi choisir. Et même qu'en France, il y a des chewing-gums, là, tout. Il y a des chewing-gums, ok. Et même, j'aime trop les bonbons. Bah bravo, je pensais que vous alliez dire, il y a votre famille. Bon, c'est les vacances, hein? Oui. Mais on va travailler quand même, hein? Pardon, janvier, le 1er janvier. Qu'est-ce qu'il y a le 1er janvier, oui? Le 1er janvier, ça reprend. Vous allez reprendre fin janvier quand on va rentrer à Singapour, mais vous allez commencer déjà les cours de français. L'exercice. Je vous referai une autre vidéo, c'est vraiment... Le CNED. Oui, le CNED. Wouhou, on repasse au CNED. Hein? C'était cool tout à l'heure les mathématiques. Facile, ouais, c'était trop facile, c'est franchement. 9 + 5 avec 14. Parce que t'as demandé la même question. Ok, donc là on va faire un tour à Action vite fait. Il y a un Action pas très loin de chez ma mère. On va vite fait parce qu'en fait tout à l'heure on était en train de travailler et j'avais pas de crayon de couleur. Je voulais les prendre avec moi et je me suis dit mais non, j'en prendrai là-bas. Et finalement, ben, du coup, il y a plein d'exercices qu'on a dû sauter. Donc, je vais chercher des crayons de couleur ainsi qu'une ardoise. Et quoi d'autre? Ah oui, je sais, une ardoise qui est... Des ciseaux et une colle. Ah oui. Voilà, c'est ce qu'il nous faut. Et t'as dit aussi, tu sais que t'as dit une boîte pour ranger tout. Une boîte pour tout ranger? Mais non, tu as ta trousse pour tout ranger, Marianne. Action! Franchement, c'est l'un de mes magasins préférés. Je kiffe ce magasin, je kiffe. Celui à côté. Action aussi, Claude Walt. C'est la dernière fois que je viens à Action avec Ahmed. Bon. T'aimes bien Action, Mariam? Ouais. Rania, elle aime bien. Ahmed, il adore Action. On rentre à peine qu'il me dit... Quel autre magasin? C'est quoi Timmy? Je connais pas Timmy. Timmy, il n'y a pas de Timmy. Timmy. Ah, Timmy. Il n'existe plus, ouais. Rania, t'as bien fermé. Effectivement, il y avait un Timmy. C'est un magasin de déco maman, maison. Comment je m'assois?
Non mais Action, c'est bien Action, franchement, maintenant. Une fois par mois, ouais. Une fois par mois, d'accord. C'est vrai que là, on... c'est la deuxième fois qu'on vient. Troisième fois. Troisième fois. En fait, on y est allé une première fois vite fait, et ensuite j'ai fait un état des lieux. Il manquait des boîtes pour ma mère, des boîtes hermétiques pour ranger les aliments. Ouais, parce que je suis un peu maniaque. Et du coup, je suis repartie une deuxième fois, et en fait, il m'en manquait encore. Donc du coup, bah voilà, on est reparti quoi. Quatrième fois, je pense. Troisième fois. Voilà, mais en même temps, c'est juste à côté. Et moi, j'aime bien Action. C'est sympa. Trop cool, on a plein de jouets. Ah oui, il y a plein de jouets. Donc voilà, on va rentrer là. On va mettre la ceinture déjà. On peut sentir un accident produit. Peut se produit. Produit. Ça, c'est notre life depuis. Des sacs à droite, des cartons à gauche. On va tout mettre ici et on te fera montrer après. Ça, c'est vraiment le sac du bled. Hein. Allez hop. Je vais essayer de monter ça. Ça n'a pas l'air compliqué, ça a l'air. C'est un peu c'est le même système que chez Ikea. Donc je vais vite monter ça et ensuite on va descendre fort en bas. Il y a quelqu'un qui a pris la relève, merci. J'ai tout monté à l'envers. J'ai tout monté dans le mauvais sens. Oh là là. Il y a plein de monde en bas. Il y a mon cousin Mohamed qui est tout seul. Ouais, ben, je finis ça, j'y vais. Ok, hein, ben voilà, je vais vous montrer. Donc chaque plateau peut supporter 4 kg. C'est bien, je pourrais ranger les livres des filles là. J'y laisserai ça ici, bien sûr. Voilà, c'est terminé. On va la remplir maintenant. Là, on va se quitter devant ce couscous royal. Halti, comme Gorg YouTube. Oh, ma chère, comment on Rizksouar. Ça fait. Et ouais, on va manger le couscous de Halti Zahra qui vient d'Hollande et qui a cuisiné aujourd'hui. Salut les battus. Voilà, bah écoutez. Je vous quitte et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tu veux dire quoi, Fatima? Vas-y. Bye. Bye.